Bonjour tout le monde, bienvenue, ici DJ, vous êtes sur Iva Sound Studio. Iva Sound Studio, si vous ne le savez pas encore, qu'est-ce que c'est? C'est une association où on fait du jeu vidéo, où on fait un peu de radio, où on fait d'autres choses aussi, mais aussi du sport qu'on mélange à du jeu vidéo pour essayer de se maintenir en forme et montrer que les gamers, les gameuses savent prendre soin d'eux et d'elles. Bonjour tout le monde, bon matin, bon vendredi matin, bonjour le chat, bonjour Endo. Ça fait longtemps Endo, comment tu vas? Alors, si ma voix est bizarre, voilà, je me suis réveillé il y a pas longtemps en fait, j'ai pas entendu mon premier réveil, d'où mon retard de quelques minutes. Du coup, let's go, c'est parti. Ouais, sinon, oui, j'ai pris le temps de déjeuner quand même. Hein, j'ai un café, un jus de pomme, du fromage blanc, de la confiture, des céréales, une banane. Petit déjeuner, de l'énergie et pour bien tenir une partie de la journée. Et le machin est pas synchro. Bon, c'est parti pour la suite de Ring Fit Adventure. Que dit-on? Oui, ça fait très longtemps. Hélas, ça va bien. Hélas, faudra qu'on en papote en privé, monsieur, parce que j'ai pas voulu trop t'embêter. Ça va bien, beaucoup de boulot en ce moment. Et toi, comment ça va? Beaucoup de choses en même temps, sur plein de sujets différents. J'essaye de m'organiser comme je peux. Voilà. Allez, c'est parti. Non. Ah, c'est mieux que la dernière fois, 90. Allez. Oui, ça on le connaît. On va commencer direct par les échauffements. Voilà. En espérant que j'ai pas trop à me mettre au sol aujourd'hui, parce que je vous avoue que le bas du dos, il est pas content. L'intensité de l'exercice, on le maintient comme d'hab, parce que c'est déjà assez difficile. Hop là. Ah, je me prends un tir de la part du jeu, génial. Non, mais j'ai envie de laisser ça comme ça, un peu de la difficulté. C'est pas facile, mais c'est quand même un peu difficile. Mais je tiens à garder, à rester vivant le long des exercices, en fait. Du coup, on va laisser comme ça. Je vais continuer à vous poser la question dans ce cas. D'accord. Voulez-vous faire une séance d'étirement dynamique? Oui. On va pas se lancer sur du sport sans étirement. Imitez les gestes de posi. 3, 2, 1, c'est parti. Levez alternativement les genoux pour toucher le Rincon. Attention à ne pas heurter le Rincon avec la sangle. Une dernière fois? Oui, comme ça. L'exercice suivant. Allez, le truc chiant. Levez-les alternativement. La jambe droite, j'y arrive pas. Cet exercice cible le bas du dos. Une dernière fois? Oui, comme ouais, ça. Non, là, la jambe droite, j'y arrive vraiment pas. Passons aux étirements du dos. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. En descendant, évitez de mettre votre poids sur le pied en avant. Faites en sorte de garder le bas du dos bien droit. Une dernière fois de chaque côté. Allez, ça ira. Bien. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le Rincon et penchez-vous sur le côté. Attention à ne pas vous pencher en avant. Cet exercice étire les muscles latéraux et ceux des bras. Une dernière fois de chaque côté. Beau travail. Ouais. Je suis pas centré là, non? Moi aussi, ça ira. Allez, chapitre 5, partie 2. Parce que la dernière fois, j'ai coupé le chapitre 5 en deux, car il est très 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 long. Donc c'est chapitre 5, partie 2. Il reste de mémoire 2 mètres des éléments à vaincre avant de passer au boss final. Enfin, boss final, le boss final du chapitre. Du coup, comme Majamba et Cobra, comme Majamba, virgule, Cobra a finalement décidé que vous étiez digne de confiance. Donc ça, ce sont les deux maîtres déjà affrontés. Vous devez maintenant rencontrer Abdonis, le maître des abdos.
Et je vous avoue que j'appréhende en fait. J'aime pas ces exercices. Avant de passer à droite, qu'est-ce qui... Non, c'était pas ce bouton, c'est ça? Ce n'était pas ce bouton, très bien. C'était celui-là. Il faut aller dans la maison. Il y a beaucoup de choses dans la maison. Alors lui, il veut un smoothie pomme. C'était ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut faire un smoothie? Sésame, caramel, fraise. J'ai pas de quoi faire un smoothie. Pomme, du moins. Je ne peux pas faire de smoothie pomme. Donc la quête, je peux pas la faire pour le moment. Il y a d'autres dialogues. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des petits exercices là pour faire travailler les jambes. Ça va me casser ça. Allez, on va tenter. Voulez-vous abandonner votre quête actuelle et commencer celle-ci? Ah mince! C'est une quête à la fois! Ah, c'est une découverte ça! Pouette, bonjour Wedios. Comment il va le Wedios? Bah du coup on va quand même faire ça, on récupérera la quête après. C'est pas... 4 minutes pour faire travailler les jambes. Ah oui, c'est vrai que je suis en rouge feu. Maintenant en tenue. Donc squat. On y va. Gardez le bassin poussé vers l'arrière. Fantastique. Bravo. Superbe. Bien joué. Bon travail. Super. Superbe. Formidable. Ouais, c'est ça. Génial. Bien. Encore 5. Très bien. Très bien. Magnifique. Encore 3. J'ai déjà mal aux cuisses. Hein. Au travail. Une dernière fois. Joli. Parfait. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Cet exercice cible les fessiers. À gauche, à droite, vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche, à droite, encore 10. À droite, à gauche, à droite, à gauche, encore 5. À droite, à gauche, à droite. Oui. Oh non, pas ça. Bon. On va faire au mieux. Alors. Bras tendus et comme si je grimpais un escalier. Ah. Ok. Par contre, faut que machin il me détecte quoi. Et il peut pas détecter aujourd'hui. Allô le Rincon. Et le Joy-Con au passage. Ça veut pas. Je peux pas tricher pour qu'il le détecte. Étirez vos jambes. J'ai pas assez de cuisses, c'est ça? Non, sérieux. Ah, j'ai entendu un bruit. Et non, il veut pas. Non, celui-là, il a pas envie. Non, il veut pas.
Eh bien, il va falloir abandonner cet exercice. Celui-là, il n'a pas envie du tout. Tant pis. Tant pis. Comment je fais pour annuler ? Ah, ils sont gentils, ils me donnent quand même de l'XP. Bon, le rameur, ça fonctionne pas. Très bien. Elle, qu'est-ce qu'elle veut ? Enquête. Soupe, pomme et oignon. Non, il d'ailleurs. Soupe, pomme et oignon. Bon courage pour la session. Merci, Yakibo. Bon, soupe, pomme et oignon. Alors, est-ce que j'ai le droit de préparer une soupe, pomme et oignon ? Non, je ne peux toujours pas faire ça. Bon, il a 4 numéro 4. Un planement, oui, bien sûr, c'est français, ça. Atteignez l'arrivée en 230 foulées. Ah, c'est intéressant, ça, en vrai. Allez, go. Donc, on va refaire un petit exercice ici. 2 minutes. Temple de Brachium ou Brachium, je ne sais pas comment on dit. foulées, hein. On est d'accord. Non. Quand vous voulez aspirer quelque chose, il vous suffit de m'étirer. Allez, cours. Génial. Non mais, me coupe pas en pleine course. Génial, squat écarté. Oh là là, quelle horreur. Il va falloir le choisir, lui il a des points d'attaque intéressants. 2 pour 85. 1 pour 80. 1 pour 50. Eh bien, on va dire au revoir. Au lever du genou. Allez, on continue. Raté. Punaise. Allez, vite. 218 sur 230, ça passe. Une belle suée. À présent, réussissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pose de la victoire. Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de flexion et tirez votre victoire. Allez, premier pouls du matin. Caméra infrarouge, comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. C'est plus élevé que la dernière fois. Ah, je change de chaussure. Plus tard.
Parce que je crois qu'il y a des bonus d'équipement quand il y a l'intégralité des équipements en fait. Tout le reste on a déjà vu. Boutique. On va jeter un œil. Peut-être d'ailleurs ils sont aussi. Est-ce qu'il y a de la pomme au passage? Non. Non plus. Alors, côté habits, 117. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et du coup, ouais, faut que je garde mes équipements actuels parce que j'ai quand même 5% sur les puissances d'attaque rouge. Donc, je ne change pas pour les baskets gagnées. Très bien. Bon, le plateau du jour, parce qu'après tout, c'était quand même ce qu'il fallait faire. Alors attendez, j'actualise le retour qui a eu une erreur. Voilà, c'est bon. Alors le plateau du jour, nous avons beaucoup trop de choses en fait. Il y a un focus sur les attaques jaunes. Il y a Draco en haut à droite, Drago d'ailleurs. Donc je vois où est placé... Le maître Abdo, je suppose que c'est le jaune, mais où est le maître vert? C'est une bonne question, ça. Allez, c'est parti. Première zone de ce chapitre 5, partie 2. Un jeune homme nous dit, c'est embêtant cette histoire. Tiens, il y a quelqu'un. Bonjour, vous aussi vous allez dans cette direction? L'ennui, c'est que des monstres se sont amusés à laisser des rochers en travers de la route. Bon ben on va s'amuser quoi. Impossible de passer. Peut-être que quelqu'un avec des abdos d'acier pourrait régler leur compte à ces gros cailloux. Oui alors abdos d'acier pardon mais non en fait c'est plus abdos chocolat là. Mais chocolat fondu. Ces rochers n'arrangent pas nos affaires non plus. Nous n'avons qu'à nous en occuper, ben oui comme d'hab. Hein. 2200 points d'XP, on gagne toujours pas de pommes. Mais on gagne de la gélatine. C'est pas bon la gélatine, j'aime pas ça. 4 minutes. Allez, go. Détruisez tous les rochers et atteignez l'arrivée. Allez, go. Alors, ça, c'est comme ça. On va manger des rochers. Alors l'idée c'est pas juste d'appuyer de faire appuyer le cercle sur le ventre, hein, mais c'est aussi de contracter les abdos, sinon ça sert à rien. Il y en a 15 au total. Vos abdominaux et faites pivoter votre buste sur les côtés. Merde, c'est bon, j'ai vu. Non, punaise, j'ai raté la caisse.
Ok, là-bas, d'accord, j'ai pas compris. J'ai arrêté des trucs dans l'arbre. Tout en douceur. Joli. Mais il avait dit qu'il y avait des monstres. Il n'y en a pas eu. Allez, pouf. Deuxième fois de la matinée. Ça a bugué. Ah non. 125? Ah si, c'est possible. Parfait, tous les rochers ont été détruits. Le jeune homme que nous avons vu tout à l'heure va pouvoir passer maintenant. Il est plus là. Ah ben il a disparu. J'espère qu'il a pu continuer sa route sans problème, tu parles. Il a été kidnappé, oui. Alors, j'ai le choix entre ça ou ça. Bichon qui nous dit il se fait tard. Il faut que je me dépêche de rentrer, Bichette doit m'attendre. C'est Bichon de la boutique. Pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est venu ici pour faire le plein d'ingrédients en smoothie. Il y a un raccourci pour le village juste ici. Renault, ok, d'accord. Eh bien, go. En effet, très pratique. C'est tout? Ben, au revoir, en fait. Non, il y a un gros point d'exclamation, c'est qu'il y a une nouvelle quête, c'est pas possible. Mais c'était les trois de tout à l'heure. Non, ça, c'est la soupe à l'oignon. Ça, on les a... Non, les a... tout ça, on l'a vu, hein. Tout ça, on l'a vu. Côté boutique, rien de neuf. Rien de neuf. Rien de neuf. Attendez, 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 il y a des pommes. Il y a des pommes. Mais j'ai pas la recette, c'est ça le truc. C'est ça le truc, je m'en souviens maintenant, j'ai pas la recette des pommes. J'ai des pommes, mais j'ai pas la recette pour faire des smoothies pommes. Ok, on retient. Du coup, je sais pas comment la débloquer pour le moment, on va voir après. Si, après il y a. Allez. Le jeune homme. Ah ben il est là de nouveau. Merci pour le coup de main. Bah justement, c'est le jeune homme qui était bloqué. Content de voir qu'il a pu continuer sa route tranquillement. Vous avez réussi le premier test, pardon. C'est lui le maître des abdos? Excusez-moi, mais je devais mettre à l'épreuve votre sens de la justice. Et pour cela, je devais me faire passer pour un simple voyageur. Punaise. En réalité, voici...
Abdounis, mon véritable visage. Je vous montre sa tête qui est cachée derrière la caméra. Je vous montre. Voilà. Très rigolo. Il me fait penser à... Ce pourrait presque être un chanteur pop-rock américain, quoi. Presque. Quoi ? Avec 3 i. Permettez-moi de me présenter, je suis Abdounis, l'un des 4 maîtres et spécialistes des abdos. En me montrant que votre cœur était pur, tiens, ça me rappelle une série, ça. Vous avez réussi mon premier test. J'aimerais à présent évaluer les capacités de vos muscles abdominaux. Je vous attendrai plus loin pour réussir le test, il vous suffit de me rejoindre. Est-ce que vos abdos sont prêts ? J'ai pas trop le choix. Piste toute allure. Ah, va falloir courir. Ah non, il n'y a que 310 mètres. Où est l'arnaque ? Ah, on va gagner des oignons. Où est l'arnaque ? Courir, retrouver Abdounis. Eh ben go. Allez, les monstres, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que c'est ? Globalon. Je le trouve très rigolo, lui. J'ai que ça en jaune. Ouais, j'ai que ça en jaune. Flexion triomphale. On y va. Travaillez votre tronc. C'est bien. Continuez comme ça. Bravo. Bravo. Fantastique. Excellent. Très bien. Beau travail. Formidable. Excellent. Joli. Joli. Super. Bon travail. Superbe. Magnifique. Passons à la vitesse supérieure. Ouais, c'est ça. Magnifique. Encore 3. Vous y êtes. Bravo. Une dernière fois. Joli. Excellent. Bouclier d'abdos. Allez. Continuez à presser. C'est un chenipan qui a fait sécrétion, quoi. Alors, 90, 80, 85, 60, direction le rouge, torsion de bras. C'est rigolo, ça. Si j'arrive à le faire fonctionner. Voilà, et là, on fait les marionnettes. Easy. Vos muscles ont l'air contents. Vos muscles ont l'air contents. Oui, bien sûr. Mes muscles ne sont pas contents, non. Ils souffrent. Allez, go. Et on a vu le truc à gauche. Voilà. Génial. Ah, un rocher. Ouvre un passage en bas. Ouais, pas mal. Oula, succession de rochers. Le rocher qui m'a donné un cœur très généreux. Vous entendez la télé en écho, non ? Choisissez une technique pour attaquer. Je pense que oui. La flexion triomphale encore. C'est que des tanks. Ok, bah go. Flexion triomphale.
on y va. Exercez votre dos. Au travail. Super. Excellent. Fantastique. Magnifique. Joli. Superbe. Formidable. C'est bien. Super. Ouais, c'est ça. Superbe. Excellent. Joli. Un peu plus vite. Bien joué. Magnifique. Encore trois. C'est bien. Très bien. Et bim. Bouclier d'abdos 4. Je vais prendre les 4 dans la tête là. Il va falloir régénérer. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Punaise. Pour une fois, j'ai géré ça. Alors, les noirs, ils ont pas de faiblesse. Les jaunes, faiblesse jaune. On va refaire ça. Torsion de bras. Sur celui-là. Oh non, il lui reste un peu de vie. Mince. Bon, 2 boucliers d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Tenez bon. J'ai pas une AOE là qui reste quelque part? Si, ça c'est une AOE. Ça c'est une AOE. Ça non. Bah direction les squats écartés. Attendez, je bouge un peu les jambes. Hop là. Hop là, hop là. Squat écarté. On va partir sur ça. Alors, attendez, j'essaye de faire comme il faut. Ok. C'est parti. Faites travailler vos jambes. Ah oui, c'est bizarre ces nouveaux squats. En effet, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Allez, ça c'est fait. Je me redresse. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. N'oubliez pas de respirer. Alors, on prendra à boire après. 60, 80. 4 jaunes direct. Flexion triomphale. C'est parti. Inspirez en reprenant votre position. Bien. Parfait. Très bien. Très bien. Bon travail. Bravo. Fantastique. Super. Bravo! Bien joué! Allez, plus qu'un.
Retour de la torsion de bras, j'aime bien ça, c'est rigolo. Et ça fait des points d'attaque. Allez. Pivotez les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ça fait travailler le haut des bras. 1, 2, 1. Vous êtes à la moitié. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore 10. 1, encore 5. Ah, il ne manque rien. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Ok. On va refaire ça. Écoutez, il manque rien pour l'achever. C'est parti. Expirez en abaissant le ringtone. Fantastique. Et voilà. C'était pas de la tarte. Oh, bien, l'XP, bien. On recourt ? On recourt, c'est parti. J'ai cru voir vos abdos se relâcher. Vous savez, concentrez votre attention sur vos abdos, j'ai pas eu le temps de voir la suite. Non ! C'est ce que je craignais. Ne restons pas là. Ok, à vos ordres. Un coffre à ouvrir. Des chaussures. C'est bien, c'est deux chaussures en deux fois, en une fois là en fait. Enfin deux chaussures, deux paires de chaussures. Et voilà le maître. Mon dieu, c'est pas des abdos qu'il a, lui, c'est des marches d'escalier. Vous m'avez montré de quoi vos abdos étaient capables. Ça, au moins, c'est une belle suée. Sans blague. Abaissez votre bassin. Étirez-vous, vite. Je me demande comment ça fonctionne, ça, quand même. C'est juste une caméra infrarouge, en fait. Comment ça peut capter le pouls? Parce que c'est à peu près juste, hein, en vrai. Même si ça plante, de temps en temps, ça reste relativement juste. Ouais. C'est un succès, tant mieux. Votre cœur et vos muscles sont les plus purs que j'ai jamais vus. Je pourrais postuler à Once Upon a Time. Merci pour cette belle démonstration, j'ai hâte d'aller affronter ce dragon avec vous. Il ne vous reste plus qu'à rencontrer le maître de l'équilibre, Mémé Équilibre. C'est elle qui assure la cohésion des quatre maîtres, c'est quelqu'un de très important pour nous tous. Cependant, son temple de l'harmonie est très difficile d'accès. La route est si ardue que même nous, les autres maîtres, n'y allons que rarement. Mais puisque votre cœur et vos abdos sont purs, encore une fois, vous devriez y arriver. Non, on continue. Oui, hydratez, bonne idée, de l'eau. Hydratez-vous aussi, également, ça sert toujours, ça fait toujours du bien. L'eau, c'est la vie, comme disait un grand philosophe belge, Jean-Claude Van Damme. Hop là, voilà, hydraté, c'est fait. Alors, nous avons ici un grand monstre jaune. Je pense que ça, c'est pas vraiment courir. Ça doit être juste une, un grand monstre jaune, quoi. C'est quoi ça? Ça, c'est un losange avec de l'équilibre et du...
Attention, c'est parti! Quel talent! Ça fait travailler la taille. Penchez-vous sur le côté en expirant. Allez, écrasons tout ça! Pressé! Et voilà le travail! Est-ce que c'est mieux là? Oui. Mais par contre, je sais pas combien il y a de batterie dessus sur celui-là. Ok, alors je mets de suite à charger l'autre parce que je suis pas sûr que celui-là tienne longtemps aussi. C'est bête, je les avais chargés toute cette nuit. Je sais que j'ai mis les câbles par contre. Attendez. Où est-ce que j'ai mis les câbles? Hop là. J'arrive, je suis à vous, merci pour le signalement. Ça m'embête par contre parce que j'avais tout mis à charger. USB. Est-ce que ça charge? Oui, ça charge. Voilà, je vais essayer de pas marcher dessus. Merci pour le signalement, c'est cool. Mais vraiment, c'était censé être full chargé, mais du coup, le récepteur... Et non, le récepteur, il est nickel, il n'y a que les émetteurs. Bah, flûte. Bon, soit. Je ferai un peu plus attention la prochaine fois. Ah, ok.
Je disais quoi? Oui, je sais plus ce que je disais, mais en gros, il voulait un smoothie pomme. Qu'à la base, j'avais pas la recette. Maintenant que j'ai la recette, ok pour les smoothies pommes, ok pour les smoothies tomates, ok pour soupe pomme oignon. Du coup, on va lui rendre, enfin lui rendre, lui apporter ce qu'il a envie au, à lui. Je lui donne le smoothie pomme. D'accord, il a cru que je lui donnais autre chose. Vous êtes la preuve qu'il existe en fait des personnes remarquablement serviables dans la nature. Bah, tout le monde n'est pas en train de donner autre chose que des smoothies pommes en fait. Hein. Alors qu'est-ce qu'il m'offre? Des perles. Très bien, un jour il faudra que je vende tous mes items à vendre parce que je commence à les accumuler. En vrai. Ensuite, toi, tu voulais une soupe pommes et oignons. Ok, alors la soupe pommes et oignons. J'ai les ingrédients. Oui. Alors c'est pas un smoothie par contre, c'est une soupe. Donc allez, musique. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Du coup, on va rendre la quête. Et la dernière quête, c'est la salle de jeu. Mais je n'arrive pas à faire l'exercice du rameur, je sais pas pourquoi. Le capteur sur la cuisse déconne un peu. Donc c'est peut-être moi qui l'ai mal mis, je sais pas, enfin, ça me semble bon, mais bon, on verra bien. Du coup je ferai cette quête là en off, c'est juste une quête de rameur, c'est pas très très grave. Bon, il faut faire encore tout ça aujourd'hui. Il reste en vrai 4, 3 niveaux, plus un boss, plus... deux exercices relativement courts mais peut-être un peu fun comme l'équilibrisme et il va falloir trouver Mamie qui livre qui est dans 1, 2, 3 niveaux enfin 3, oui 3 niveaux du coup let's go. Si seulement je pouvais apprendre à parler. Si seulement je pouvais faire ça chez moi, presser Tada. Mais en fait ce qui me fait kiffer dans cette préparation de smoothie, c'est juste la musique. C'est voilà, c'est tout. Ça me fait penser à... c'était pas le shop, oui, c'était quoi? Je sais plus, c'est un truc très Nintendo et... Voilà, ça me rappelle des choses. Du coup, monstre jaune, j'ai qu'une attaque jaune par contre, ça va m'embêter un peu, donc j'espère... Qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas jaune, il est goldé. Il faut le battre avant qu'il s'enfuit. Alors, pour l'instant j'ai une ligne de dialogue, je la laisse comme ça. Il est shiny le truc quoi, c'est un Pokémon. L'ami Chanel, oui c'est ça. Alors, flexion triomphale. Mais du coup c'est quoi? C'est... Oui, non, il est juste goldé, quoi. Il s'en fout. C'est pas le jaune, il s'en fout. Ça lui enlève pas beaucoup, hein. Super. Fantastique. C'est bien. Bravo. Fantastique! Superbe! Très bien! Beau travail! Ouais, c'est ça! On accélère! Excellent! Tenez bon! Encore trois! Excellent! Très bien! Une dernière fois!
Bouclier d'abdos? Non. Il a l'air fatigué. Il s'enfuit? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il reste là. Alors 90, 80, 85, 80. On y va sur le 90. Allez, on va faire les marionnettes. Quand tu veux, le Rincon. Ok, go. Eh ben c'est passé au final. Je repasse plus tard, ce serait bien que je me substante. Bon appétit. On dirait vraiment les marionnettes. Bon appétit. Ou bon café en fait, je sais pas quelle heure il est, midi. Non, bon appétit. Mais je vois l'heure en fait, j'espère pouvoir finir avant que... J'ai une demi-heure pour finir en fait. Ça va être juste. J'ai une demi-heure pour finir. Bon allez, on fait au mieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas avancer? Où est l'arnaque encore? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il reste que cet exercice-là, mais c'est censé être facultatif en fait. Vu que sur d'autres chapitres, je les ai passés. Ah non, d'accord, c'était juste le machin qui bloquait le niveau. Maintenant, on fait le vrai niveau. Ok, c'est bon, j'ai branché deux neurones. Suggestion, technique verte, mes préférées. J'espère que je vais faire l'arbre. C'était rigolo la dernière fois de faire l'arbre. Ah, il a bougé la cheville. Trois verres. Choisissez une technique. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Contractez les abdominaux sans plier le bas du dos. Allez, Eda. J'espère que le ballon vert ne va pas appeler les petits verts. Qu'est-ce que... Choisissez une technique pour attaquer. Pardon, mais le bruit qu'il a fait, quoi. 90. 80. Ça, c'était quoi? Combien? 60, et je l'ai eu. Allez. Et B. Ah non, il faut d'abord les écarter. Bah, c'est bon. On y va. Ouvrez la poitrine et gardez le dos droit. Bien joué. Génial. Joli. Parfait. C'est ça. Super. Super. Continuez comme ça. Très bien. Magnifique. Passons à la vitesse supérieure. Beau travail. Encore trois. Ouais, c'est ça. Bien joué. Une dernière fois. Joli. Oui. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. N'oubliez pas de rester hydraté. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche.
revenez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Allongez le dos en gardant le buste bien droit. Calquez votre vitesse sur celle du modèle. Putain. C'est ça! Bouclier d'abdos! Expirez tout en contractant vos abdominaux. Pourquoi là ça fonctionne pas? C'est pas fini! Choisissez une technique! Torsion de bras! Quand tu veux. Et voilà, maintenant il ne va plus en vie. Voilà, ça c'est fait. Tu remontes trop vite. Ouais. Bien joué. Pliez les genoux, puis redressez-vous quand vous êtes tout en bas. Choisissez une technique pour attaquer. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Faites des mouvements plus lents. Vous pouvez tenter un angle droit, mais ne forcez pas. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Écarté. C'est parti. Cet exercice cible les fessiers. Bien joué. Formidable. Bien. Ouais, c'est ça. Bravo! Très bien! Excellent! Joli! Super! Génial! Bon travail! On accélère! Ouais, c'est ça! Encore trois! Super! Bon travail! Une dernière fois! Bien! Bien! Bouclier d'abdos. Continuez à presser.
penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne vous penchez ni en avant, ni en arrière. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. N'avancez pas le genou au-delà du talon. Oui! Bouclier d'abdos! Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Va falloir me heal. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Flexion triomphale. On y va. Expirez en abaissant le ringtone. Magnifique. Excellent. Fantastique. C'est bien. Vous l'avez eu. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Posture du guerrier 1. Et normalement, on l'a avec celui-là. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. En espérant regagner tous les cœurs, parce que en vrai, j'ai un doute là. Je sais pas si je vais regagner tous les cœurs avant la fin du niveau. J'ai un gros doute. Raté. Ah bah, fin du niveau du coup. Abaissez votre bassin. Étirez-vous, victoire ! Cool. L'eau après ça. Salle de jeu. Escalade. 2 minutes. Utilisez le ring cone pour escalader et récupérer des pièces. Poitrine, trapèze et bras. On va faire des smoothies pêche. C'est trop bon. Alors du coup, faut faire quoi? Écartez les jambes de la largeur de vos épaules. D'accord. Compressez le ring cone.
Abaisser, relâcher. J'ai pas compris. D'accord, j'ai compris. Récupérer plein de pièces. Mais que si on veut tourner, on fait comment? Attention, c'est parti! Prenez le ring code à hauteur d'épaule, puis abattez-le! Raté. Raté. Oh punaise, punaise. Je crois que j'ai compris un truc. J'ai mal au bras. Je crois que j'ai raté. Rambé. Ah non, c'est bon, ça passe. Ok, très bien. Très bien. Bon, mais je peux faire des smoothies pêche maintenant. Ah, ça peut me raise. Cool. Ah, c'est bien ça. Est-ce que j'ai des pêches? Ça, c'est une question. Est-ce que j'ai des pêches? Ah non, j'ai juste gagné un smoothie pêche. Je n'ai pas gagné la recette. Autant pour moi. Je n'ai pas du tout la recette du smoothie pêche. Autant pour moi. Du coup, pause boisson, en effet. J'ai vu, mais ne dépensez pas vos points pour ça. Le jeu me l'impose déjà. Allez, niveau 33. Chute des grands sauts. C'est un peu long. Il n'y a que 470 mètres, mais je pense que ça va y avoir beaucoup de monstres. En vrai. Oh punaise. D'accord. Oh. Il y a un tapis rouge. Voilà. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche.
revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Faites des mouvements plus lents. Tâchez votre bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Tenez bon. Squat écarté. C'est parti. Faites travailler vos jambes. Super. Continuez comme ça. Beau travail. Fantastique. Beau travail. Ouais, c'est ça. Bravo. Bravo. Génial. Bien. Très bien. Excellent. Passons à la vitesse supérieure. Magnifique. Encore trois. Ouais, c'est ça. Bon travail. Une dernière fois. Joli. C'est ça. C'est pas fini. Choisissez une technique. Tension de bras. Pivotez les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Contractez les fessiers. 1, 2, 1, 2. Vous êtes à la moitié. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore 10. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Ouf. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Flexion triomphale. On y va. Inspirez en reprenant votre position. C'est bien. Formidable. Fantastique. Parfait. Très bien. Joli. Superbe. Magnifique. C'était pas de la tarte. Danse triomphale? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Balancez vos hanches. Taille, ventre et bras. Danse triomphale! Portez 5 apprentis. Oui, on va se ridiculiser un peu. Attendez, je réfléchis, j'ai hâte de voir ça. Idem, bande de vilains. Attendez, parce que vu que c'est une AOE, j'ai envie de la garder, mais il faut que je remplace quelque chose. Stratégiquement, il faut que j'enlève le vert. Mais j'ai besoin de garder une verte. Il faut que j'enlève soit les cuisses, jambes, bas du corps, posture. Jambes, fessiers, ventre. Bas du corps, ventre, posture. Je vais enlever ça parce qu'on le retrouve ailleurs. C'est peut-être un peu risqué ce que je fais parce que la danse triomphale a une recharge de 3. Sinon, je pourrais enlever ça, mais il faudrait que je me heal à un moment donné, quoi.
Danse triomphale, sérieux le jeu quoi. Comme si c'était pas assez ridicule comme ça. C'est très sensibilisant, mais niveau estime de soi, j'en prends un coup quand même. Ah oui, pardon. Enfin bon, je suis quand même content de faire de l'exercice. Sinon, je n'aurais pas fait autrement d'exercice en vrai. Qu'est-ce que... Ok. Ok, j'ai rien fait. Oh, des cœurs. Bien joué. Mais faut aller où au juste? Ok. Bon, du coup, j'irai Jade, c'est cool. Non, j'ai pas voulu screen. C'est un noir. Bon, attendez, avant d'essayer ça, attendez. Allez, voyons voir cette fameuse danse. Peut-être que les prochaines fois, je changerai la façon d'avoir l'écran de stream pour juste Ring Fit, pour que vous me voyez me ridiculiser en plus grand, je pense. On va voir. Bon, la danse, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Danse triomphale. Secouez les hanches. Bon, c'est ridicule, mais c'est rigolo. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Bien, choisissez une technique. Torsion de bras. Pivotez les bras. Après la danse, les marionnettes. Bon, pas grand chose du danger. Et je fais ce que je peux, hein. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. C'est pas fini. Choisissez une technique. Flexion triomphale. On y va. Expirez en abaissant le ringtone. Superbe. Bravo. Ouais, c'est ça. Joli! Magnifique! Super! Très bien! Fantastique! C'était intense! Bon travail!
de plier légèrement les coudes et maintenez-moi étiré. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai eu un écran noir, ça va. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Tu as clip. Eh bien, fais-toi plaisir. Il y a un canal clip, de toute façon. Faut l'utiliser. Le temple de l'harmonie de mieux équilibre. Un peu glauque. Mais mieux équilibre, trois petits points. Au secours, un fantôme! Comment osez-vous me traiter de fantôme? Oh mon dieu, le bruit de mieux équilibre. Je suis mêlé, mieux équilibre, le maître de l'équilibre. Est-ce que c'est une façon de s'adresser à quelqu'un qui prend la peine de sortir pour vous accueillir? Mais passons, si je m'abuse, vous êtes Jake, n'est-ce pas? Vous avez réussi les tests des autres maîtres. Vous devez maintenant passer le mien. On aurait cru Toadette. Toadette, mais en vieille. Qui ne doit pas être une partie de plaisir. Qui n'existe pas. Quoi? Vos bras, vos jambes, vos abdos, tous vos muscles sont déjà équilibrés. Je n'ai rien à y redire. C'est inattendu. Je sens comme une pointe de déception dans votre regard. Je peux toujours vous proposer un combat contre mon petit Babal. C'est un chien? Si vous réussissez à battre Babal, vous serez officiellement des nôtres. Vous serez le cinquième maître. Temple de l'harmonie, 6 minutes. Il n'y a quasi pas à courir, c'est donc un boss, en vrai. Qu'est-ce que Babal? L'animal de compagnie de même équilibre, c'est ce que je pense en vrai. J'ai rien fait. Je prends un niveau gratuit. Voici Babal. Alors attendez, est-ce que même équilibre est assis sur une balle? Ou est-ce que même équilibre, sa robe, c'est une balle? Un jour, il m'a attaqué dans la forêt. Je l'ai d'abord combattu, puis nous avons fini par jouer ensemble. Finalement, nous sommes attachés l'un à l'autre. Je vous préviens, ne le prenez pas à la légère, donnez tout ce que vous avez ou il ne fera qu'une bouchée de vous. Oh punaise! Ah! Au secours. Gauche en avant. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Faites des mouvements plus lents. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. N'avancez pas le genou au-delà du talon. C'était pas si ouf que ça comme attaque en vrai. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux.
c'est une technique. Quoi t'écarter? On y va. Pointez vos pieds vers l'extérieur. Très bien. Très bien. Fantastique. Fantastique. Bravo. Parfait. Magnifique. Continuez comme ça. Superbe. Super. Joli. On accélère. Tenez bon. Encore trois. Vous y êtes. Excellent. Une dernière fois. Ok. Bien. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Oh punaise, qui m'a mis. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Allez, c'est pour vous faire plaisir. Bébé. Secouez les hanches. Et faites des mouvements amples. Bien, un, deux, un, deux, un, deux, un, bien. Gardez le centre du corps stable. Un, vous êtes à la moitié. Encore 20. Un, bien, un, deux, un, encore 10. Encore 5. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai un mauvais pressentiment. Il va falloir bien se défendre. Super bouclier d'abdos. Baissez votre bassin. Pressez le ring pull et gardez les jambes pliées. C'est hyper. Tenez bon. Quoi t'écarter? On y va. Cet exercice cible les fessiers. Bien joué. Formidable. Excellent. Joli. Beau travail. Génial. Super. C'est bien. Bravo. Ouais, c'est ça. Excellent. Joli. Bien. Essayez de vous surpasser. Encore trois. C'est bien. Beau travail. Une dernière fois. Bien. Ça. Bouclier d'abdos. Continuez à
pressé. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Je comprends pas. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Posture de la tête au genou. Allez. Attendez. Ça, j'ai beaucoup de mal à le faire. Étirer la jambe gauche. Plier le genou droit, talon vers l'intérieur. Je peux pas faire mieux. Allez, Rincon, s'il te plaît. Penchez lentement vers la gauche. Bien, encore un peu. Ben oui, je fais ce que je peux. À votre respiration. Bien, revenez un petit peu plus. Même chose. Punaise, ça se mérite les queues de région ici. Penchez lentement vers la droite. Bien, encore un peu plus bas. Le genou de la jambe tendue peut être un peu plié. Je remonte. Ne vous surmenez pas. Faites une pause si nécessaire. Ouais, pause boire. Pause boire de suite. Alors, 80, 70. 85, 60. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Vous pouvez tenter un angle droit, mais ne forcez pas. Bien. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras.
c'est une technique et bonne chance. Quoi t'écarter? C'est parti. Attendez. Voilà. Tu y es presque, ouais. Il manque pas d'air ce boss, c'est le cas de le dire. Bah, 2 minutes, toi. Voilà, j'ai raté une attaque parce que je me suis fait troll par le jeu. Merci. Abaissez votre bassin. Et tirez-vous. Victoire. Je reprends le souffle, je bois un coup et j'arrive. Je tombe la gourde à chaque fois. J'en peux avoir une plus grande gourde. Attention alors, oui, t'inquiète pas, on fait les étirements, je m'arrête là. Le boss, enfin, on fait le petit losange en bas, les étirements. Et malheureusement, Drago, oui, parce que du coup j'allais y venir. Drago, le boss final du chapitre, on le fera la prochaine fois parce que je vais pas du tout avoir le temps de le faire. Et en vrai, physiquement, là, enchaîner 2 boss, non, c'est pas possible. J'ai pas. Je suis hyper essoufflé là, en vrai. Tu brilles de sueur, c'est vraiment un compliment. Je fais envie de dire que oui, parce que mine de rien, ça fait travailler ça, le corps et tout. Et pour des gens qui n'ont pas l'habitude, je trouve ça bien, en vrai. Ça montre que les efforts physiques sont réels et concrets. Voilà. Je vous laisse lire le texte. Ah. Par contre, Dragon, il est plus fort. Mince. Cinquième, sixième, c'est la sixième session. Ouais. Comment tu te sens? Tu sens que le jeu se fait du bien? Quel est mon ressenti? Ouais, ouais. En termes de pouls. Le pouls, là, pas les pouls, les cheveux, évidemment, parce que j'ai pas de pouls. Mais j'ai un pouls cardiaque quand même, comme tout le monde, sinon je ne serais pas là. Je me sens fatigué, essoufflé, courbaturé, en sueur. Je sais, j'ai pas un adjectif en aïe pour en sueur. Mais par contre, depuis le début, je remarque quand même, en termes personnels, sur le corps, etc., que je régule mieux le côté cardiaque, enfin cardio. Je suis essoufflé, mais de manière moins intense. Après, les exercices sont de plus en plus difficiles, il y a de plus en plus d'exercices. Du coup, je ne peux pas faire un chapitre en entier parce que avant les premières sessions, c'était comme là, une partie de chapitre, c'était un chapitre en entier avant. Là, si je devais faire le chapitre en entier, j'aurais une rue pour 4 à 5 heures. Et ça, clairement, physiquement, c'est pas possible. Rien que là, déjà, ça va faire 2 heures de stream, même s'il y a du blabla, etc.
c'est compliqué de, encore. Mais par contre, je sens que j'ai un peu plus d'endurance. Je vais pas dire énormément, parce que c'est encore, ça reste que le début de l'aventure. Hein. C'est que le chapitre 5, il y a énormément de chapitres. Il y a plusieurs dizaines de chapitres. Donc je pense que ça ne peut aller que en s'améliorant. Ça m'a permis de, aussi de remarquer que par rapport au vélo, parce que je continue de temps en temps de pédaler dans le quotidien et je prends plaisir à faire quelques balades à vélo maintenant. Je suis moins crevé sur le vélo et j'arrive à tenir plusieurs heures sur le vélo maintenant. Alors, je ne vais pas faire le Tour de France, évidemment, mais par contre, en balade pépère tranquille, à peu près entre 15 et 18 ou 20 km/h, franchement, ça va. Y compris quand c'est pas sur la route et que c'est plutôt sur des chemins un peu de terre et de cailloux, ça va. Avant, j'aurais pas pu. Là, dernièrement, je me suis rendu compte que c'était faisable et que, en vrai, je peux faire ça régulièrement. Donc il y a une énorme... Donc merci Ring Fit par rapport à ça. Ça aide énormément. Et par contre, je pense, enfin, Ring Fit, c'est quand même très axé. Et Nintendo, d'ailleurs, a posté des vidéos de Ring Fit cette semaine, là, sur leur YouTube. Ça m'a étonné. Mais c'est des témoignages de gens qui sont pas du tout sportifs, qui utilisent Ring Fit, qui ont utilisé Ring Fit et que ça leur a apporté un bien fou. Donc Ring Fit, ça s'adresse pas vraiment aux sportifs ou aux grands sportifs, à part pour une petite maintien en forme, mais c'est plutôt pour les gens qui de base ne sont pas sportifs et qui veulent prendre soin d'eux et d'elles. Et c'est ça que Nintendo l'a clairement réexprimé cette semaine, et du coup ça correspond au message qu'on veut faire passer sur Ivasan, donc tant mieux. Donc si vous n'avez pas Ring Fit, qu'attendez-vous? Surtout qu'en plus il est moins cher qu'à sa sortie. Alors ça reste un coût parce qu'il y a tout le matos, enfin le matos il y a ça quoi. C'est beaucoup moins cher. Il a perdu 20 à 30% de, au lieu de 80 euros, je crois qu'il est à 60, on peut même le trouver à 50 ou 55. Donc c'est mieux que 80. Mais c'est un super exercice, un super logiciel, un super programme. Et il n'y a pas que l'aventure jeu vidéo, évidemment. Il y a tout un programme fitness pour aller un peu plus loin. Il y a des jeux de rythme avec le corps. Alors, je vous le dis de suite, je suis nul au possible dessus. On peut faire même du Ring Fit en ayant la Switch en veille juste avec ça, et ça enregistre les mouvements du Ring Con pour Ring Fit, même si la Switch est en veille. Juste en gros, on est sur le canapé en train de regarder une série, on peut être comme ça sur l'épaule, faire les contractions avec les bras pendant une série, et ça compte comme des vrais exercices, et c'est enregistré dans Ring Fit, même si la Switch est en veille. Et ça, c'est super intéressant. Donc, ça permet de se travailler les bras de manière en étant posé en plus. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. Et c'est pas un placement de produit. Et vraiment, j'insiste par rapport à ça. C'est vraiment un choix d'avoir fait ça. Et si Nintendo nous entend, contactez-nous, s'il vous plaît. On aimerait discuter. Je suis en train de vendre le produit gratuitement, quoi. On va poursuivre avec ce qui restait à faire, pas le boss, et après les exercices finaux. Et voilà. Je reprends mon souffle. Et on va boire un coup encore. Quelle heure il est? Ouais, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Allez, alors non, c'est pas le boss, on a dit pas le boss. On va faire la salle d'arcade. Qu'est-ce qu'il y a ? Adducto mobile, oh mon dieu les adducteurs. 2 minutes, contrôlez un véhicule en pressant le Ring Con entre vos cuisses. Ah génial, je suis content. Je l'ai pas du tout fait de toute la session, et au final, le jeu nous dit, fais-le quand même. Allez, je suppose qu'il va falloir que je me baisse. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise ? Ah, c'est tout nouveau ça. Est-ce que j'ai une chaise ? Oui, j'arrive. Voici la chaise. Ceci est une chaise. C'est magnifique, hein? Ah, mon Dieu, c'est la première fois qu'on va me voir réellement assis depuis le début de Ring Fit. Bonjour. C'est ici les pas du tout sportifs anonymes. Alors, asseyez-vous sur le bord. Ah, sur le bord, par contre. J'ai pas le droit d'être contre. Donc, sur le bord. On me voit pas trop. Je me recule. Voilà. Étirez votre dos.
Placez le Rincon entre vos cuisses et serrez. Gardez les genoux collés. Compressez le Rincon pour sauter. D'accord. Maintenez le Rincon compressé pour planer. D'accord. Récupérez le plus de pièces possible. Il avance tout seul du coup ? C'est parti ! Raté. Superbe ! J'ai raté là. Punaise, c'est pas facile hein. Votre posture. Oh, j'ai... Non ! Oh punaise ! La bombe. Je pense qu'il va falloir le refaire. Remonte. Non. Ok, moins 900. Allez, prends ça dans les dents. Il va falloir le refaire. C'est rigolo, mais ça va falloir le refaire. Ah, c'est pas fini. Non, presque. Si, c'est bon, c'était 2000. Ah, je croyais que c'était 1900, ça va. Combien? Rambé, ça passe. On le refait pas. Enfin, peut-être en off pour la rigolade. Toutes mes félicitations, 1000 processeurs. Tenez, voici votre récompense. Des pièces. Et eh bien voilà, on va enlever la chaise. Mais si je m'assois sur le... Attendez, je lis là, pardon. Tu le vends bien, Nintendo petit billet. Est-ce que tu as un cube pointillé? Non, j'ai pas un cube pointillé. Bonjour la chaise. Si je m'assois sur le bord... Non, mais c'est pas s'asseoir juste à ça du bord. C'est tu t'assois normalement comme si c'était un tabouret, en fait. On me voit pas, pardon. On me voit pas. C'est comme si c'était un tabouret. Et j'ai tout bougé, le truc. Voilà. J'ai tout décalé. Bon, c'est pas grave, c'est la fin. Comment qu'on fait les exercices finaux, là? C'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Attendez, je sais plus comment on fait. Ah, voilà, c'est ça. Des canards en cercle. Des canards? Du coup, les pièces, ce sont des rings coins. Oh punaise, d'accord, je viens de comprendre le jeu de mots. Au secours. Je m'arrête là. Du coup, prochaine fois, ça sera le boss et sûrement première partie du chapitre 6. Voilà. Voyons la phase de récupération. Sur un stream de presque 2 heures, il y a eu 37 minutes 50 d'exercice hors entraînement. Voilà. Tout ça, ça a été fait aujourd'hui. Voilà, tout le monde a lu, c'est bien, on passe à la suite. Quelle assiduité, félicitations. J'ai fait 400 squats au total. Oh mon Dieu, comment il applaudit, on dirait une otarie, quoi. Non mais regardez. Au secours. Vous êtes un véritable passionné, votre détermination force le respect. De plus, 200 fois la technique posture du guerrier. C'est formidable, ne baissez pas le rythme. Ce n'est pas tout. 400 fois torsion de bras. Vous donnez le meilleur de vous-même, continuez comme ça. Que diriez-vous d'une série... oui, Hugo, c'est ce que je demandais en fait. Bien, allez. Commençons. Vous n'aurez pas besoin du Rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Étirez le bras gauche sur le côté et tenez-le avec le bras droit. Tirez sur le bras pour étirer les muscles de l'épaule gauche. Même chose de l'autre côté. Étirez-vous lentement, sans forcer. Revenez lentement. Posez les mains sur le bas du dos.
Inclinez le haut du corps en arrière pour étirer vos abdos sans forcer. Pliez les genoux pour avoir les jambes légèrement fléchies. Revenez lentement. Ça, je peux pas trop le faire. Écartez les jambes, levez les bras et tenez votre poignet gauche. Tirez sur le poignet et inclinez-vous à droite pour étirer votre flanc. Reprenez la position initiale, puis changez de main et de côté. N'oubliez pas de respirer. Sans blague, si je respire pas, je meurs. Revenez lentement. Fermez les jambes et détendez-vous. Inclinez-vous en expirant. Non. Non, désolé, ça je peux pas, ça j'ai pas le droit. Gardez la position. Si vous avez suivi les streams d'avant, vous savez pourquoi. Ça j'ai pas le droit. Pliez un peu les genoux et redressez-vous progressivement. Pliez le genou gauche et tenez votre cheville derrière vous. Tirez le genou vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. Et voilà. C'est l'heure du brin de Cosette, un peu de blabla. Posy a beau faire de son mieux pour nous indiquer les bonnes postures à adopter, il est naturel de ne pas toujours pouvoir reproduire ses mouvements. Comme à l'instant, assurez-vous de respecter les limites de votre corps. Ce qui nous amène à notre thème du jour. Je n'arrive pas à faire comme le modèle. Écoutez votre corps. Parfois, il est difficile de réaliser les exercices comme indiqué, que ce soit en raison d'un problème d'équilibre ou de posture. Les aptitudes physiques varient d'un individu à l'autre et il est normal que vous ayez plus de mal avec certaines choses. Entraînez-vous sans forcer dans la mesure de vos capacités. Consultez votre médecin si vous avez des questions sur un exercice en particulier. Voilà. N'importe quoi. Voilà, c'était Jake sur Ivasson Studio sur Ring Fit Adventure. Il y aura une session Ring Fit la semaine prochaine, je ne sais pas encore quand. Dimanche, le programme de toute la semaine prochaine sera disponible sur les réseaux Discord, etc. dimanche soir. Donc restez au tenez-vous au courant. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir à 21h sur la chaîne, il y a Draken avec, je crois, presque. Non, là, c'est le milieu. C'est le milieu de l'aventure La planète au trésor, la bataille du Priocion. Je ne sais pas le prononcer. C'est très intéressant. C'est un jeu rétro comme on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est tout simplement la suite du film La planète au trésor avec le héros Jim Hopkins. Voilà. C'est hyper intéressant. C'est vraiment, ça change totalement de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, y compris dans les jeux rétro. Pour ma part, je vous retrouve demain à partir de midi à peu près pour toute l'après-midi sur Metroid Dread. Je prie pour finir l'aventure demain, ça m'arrangerait, mais je suis pas confiant du tout. Voilà, parce que je suis complètement perdu dans le jeu, mais c'est pas grave. Il y a quoi d'autre? Sinon, lundi après-midi, vous devriez retrouver Yakipon sur Skull Zero Slayer. Lundi soir, la fin de La planète au trésor. Et il y aura d'autres choses la semaine prochaine, j'ai plus tout en tête. Je crois même que j'ai pas encore défini ce que je vous proposerai moi la semaine prochaine. Mais en gros, dimanche, vous aurez la réponse. Voilà, il faut absolument que je me dépêche, je dois partir dans très très peu de temps. Donc le temps d'une douche, j'espère pouvoir télécharger ce stream là maintenant pour lancer l'encodage VOD là de suite. Prenez soin de vous, passez un agréable week-end, buvez de l'eau, faites des exercices à votre rythme, selon vos capacités. Jouez à des jeux vidéo, parce qu'après tout, pourquoi pas, on a des belles découvertes vidéoludiques. Suivez la chaîne, suivez tout ce qu'on a pu faire, avec plein de jeux de vidéo différents.
Voilà. Je sais plus quoi dire. Allez, prenez soin de vous. Cordialement, bisous.